financière. Y a quelqu'un? Blanchette, petite coquine. Hein? Tu t'es échappé? T'es pas sorti, ça? Allez, va retrouver tes petits amis. Vous vouliez quelque chose, monsieur? Je voudrais un vêtement chaud. Un pull-over pour fillette. 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 Il y a bien longtemps que je ne fais plus dans la fillette. Quel âge? 10 ans. 10 ans fort ou 10 ans faible? Plutôt faible. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir? Parce que là, j'ai peut-être votre affaire. Cher monsieur, nous vous attendions depuis 30 ans. Qui ça, nous? Lui et moi. Regardez-moi ça. J'ai peur quand même qu'il soit un peu grand. J'étais sûr que vous croiriez cela. Tout le monde croit ça. Vous ne connaissez pas les laines du Queensland? Non, mais je connais ma fille. Écoutez-moi bien, monsieur. Non seulement ce pullover n'est pas trop grand, mais il ne peut pas l'être. Vous ne me demandez pas pourquoi? Parce qu'il a été tricoté sur mesure pour une naine. Oui, naturellement, Poupie Schneider, ça ne vous dit rien. Ma foi, non. Vous êtes trop jeune. Poupie Schneider, il n'y en avait que pour elle dans les mondanités des années 20. Un millionnaire américain, Walter Crutchen, l'avait vu dans un cirque et on était tombé fou. Les grands hommes ont toujours aimé les petites femmes, mais à ce point-là, avouez que c'est rare. C'est lui qui m'avait commandé ce pullover, d'après une maquette de Van Dongen. Là-dessus, le krach de Wall Street en 29... Le Crutchen s'est suicidé comme vous et moi, la poupie est retournée à son cirque, et le pullover m'est resté sur les bras. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'acquisition banale, pas le vêtement de tout le monde. Mais vous êtes sûr que Poupie Schneider l'a pas porté? Juré. Vous avez beaucoup de choses comme ça qui datent un peu? Les choses insoupçonnables. Ainsi, devinez un peu sur quoi vous êtes assis. N'ayez pas peur! Le malin. Encore une commande Walter Crutchen pour l'anniversaire de Pupille. De quoi illuminer toute une ville. Cher monsieur, au plaisir. Et si un jour, vous avez besoin de quoi que ce soit, je dis bien, de quoi que ce soit. Je ne commettrai pas la folie de m'adresser ailleurs, soyez-en sûr. Vous vous ferez porter ma note à l'hôtel Stella. Je ne presse pas. Cher monsieur, au plaisir. Vous fermez déjà? Vous m'avez bien dit de porter votre note. Chose promise, chose due.